Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui, après une semaine pleine d'émotions. Cette semaine a débuté avec un événement exceptionnel, un moment qui ne se produit généralement qu'une seule fois dans une vie. Eleanor a célébré son 10e anniversaire. C'était à la fois un moment attendu avec impatience et très appréhendé, car elle laissait définitivement derrière elle l'âge à un chiffre pour rejoindre la cohorte de ceux dont on compte les années par dizaines. Mon dimanche matin fut donc consacré à la préparation d'une partie du repas et au gâteau d'anniversaire. Je n'avais pas bien réalisé ce que nous ferait ressentir cette journée. À vrai dire, je n'y avais même pas pensé. C'était pour moi un anniversaire de plus, un merveilleux moment à préparer pour voir nos enfants le sourire aux lèvres du réveil au coucher. Une journée pour retrouver les proches et où les filles passeraient des heures à jouer au Playmobil dans la chambre et où nous serions juste heureux de les voir heureux. Même si tout cela fut bel et bien le cas, les choses ne se sont pas arrêtées là. Une décennie. C'est tellement et si peu à la fois. Nous ne l'avons pas vu passer et en l'espace d'une seconde, je suis passée de la rencontre de mon nouveau-né à observer une jeune et douce jeune fille dont je n'aurais jamais pu espérer être la maman. Tu fais coucou ? Coucou ! Ouais, coucou ! J'ai vécu près d'un tiers de ma vie à ses côtés, à la regarder respirer, découvrir, apprendre, échouer pour mieux réussir. J'ai ri pour elle, j'ai pleuré pour elle, j'ai même voulu mourir pour elle, pour prendre sa place. Elle qui, ce 13 novembre, nous a offert le cadeau le plus inouï que l'on puisse vivre, devenir parent. C'est la mère. Donner la vie et être papa et maman, ce n'était pas un objectif parmi tant d'autres, c'était une de nos raisons de vivre à tous les deux.
Depuis toute petite, je savais que je voulais être maman. Être maman jeune et avoir une grande maison remplie de rires d'enfants. Traditionnelle, peut-être un peu. Décalée, certainement. Papa. Maman. Papa. Papa. Maman. Papa. Entendre ce mot, maman, reste à mes yeux le plus beau son du monde. Parce que même si par moments il nous fait perdre la tête, il est aussi le son qui rend vivant, le son qui donne de l'espoir, le son qui rappelle que rien ne vaut la vie et que tout l'amour de ce monde peut se concentrer en une si petite personne. Maman. Eleanor, chérie, tu me montres où est-ce qu'elle est ta tête? Elle est où la tête? Ouais. Bravo. Merci. Il serait difficile de nier que nous vivons une période anxiogène. Une période où l'on nous fait clairement ressentir qu'avoir des enfants n'est pas sain, que vivre n'est pas sain, que ce n'est pas viable, que notre manière de fonctionner n'est pas correcte, que c'est égoïste et presque criminel. Cela ne se concentre pas au fait de donner la vie. Nos actes sont sans cesse jugés comme néfastes pour l'avenir de notre monde et de l'humanité. Nous vivons une période où la concentration et propagation de négatifs est à son apogée. Est-ce que c'est beau ? C'est beau. Oui, c'est beau, hein ? Les jumelles ne sont rivées que sur le mal, le mauvais, sur ce qui nous effraie. On vit dans un monde de peur. Mais ce monde va mal, et un monde malade ne peut donner des conseils. Les générations passées ont vécu pire, souvent bien pire. Famine, épidémie terrible, sécheresse intense, absolument atroce. Je déjeune, je ne veux pas te faire des papouilles en déjeunant, loulou. Génocide ou encore grande guerre. Pourtant, au milieu du chaos, la vie a continué à naître, telle une lueur d'espoir. Sans eux, nous ne serions plus là. Quel avenir aurions-nous si nous retirions, pour de mauvaises raisons, la plus indescriptible des joies? Si nous retirions définitivement la beauté de la création de la vie dans toute sa perfection? Car finalement, que la planète aille mal ou non, les végétaux continuent leur cycle, les animaux continuent eux aussi de se reproduire, parce que la vie appelle la vie. Nous sommes le fruit de la vie, comme l'est chaque molécule de cet univers. Tu marches ? Et si alors la solution à ce monde décadent et dégénérescent n'était pas de ne plus avoir d'enfants, mais de mieux les préserver, de les élever et non de les éduquer, de considérer ce qu'ils sont réellement, de futurs adultes et les acteurs de demain, et accepter qu'ils seront les piliers du monde de demain ? Qu'est-ce que c'est ? Une pomme. Une pomme de ? Pain. Oui. Accepter que nos générations n'ont plus d'impact en dehors de celui de les préparer sainement à élever ce monde plutôt que de continuer à le faire sombrer plus encore. Et que sans eux, nous remettons consciemment et délibérément l'avenir de l'humanité et de la vie en général entre les mains d'inconscients, égoïstes et futurs adultes pas forcément bien intentionnés. J'ai longtemps hésité avant de vous livrer ces quelques pensées, parce qu'elles ne sont pas conventionnelles, parce qu'elles s'éloignent tellement de ce que l'on est autorisé de penser aujourd'hui. Alors j'ai demandé à une personne que j'aime profondément de les écouter avant vous, et sa réponse fut sans appel, sans l'ombre d'un doute. Peut-être suis-je dans l'erreur la plus totale, mais s'il y a bien une chose que mes parents m'ont appris, c'est de toujours avoir l'humilité de savoir le reconnaître. Alors, en tant que mère à mon tour, je fais chaque jour de mon mieux pour m'assurer que ce que je laisse à la planète et au futur n'est pas uniquement une terre sur laquelle j'aurais tenté de faire de mon mieux avec les cartes que j'avais en main, mais des enfants qui n'auront pas peur de pousser les portes du monde pour se joindre à d'autres petites lumières encore jeunes et en formation, de faire du monde de demain un Éden auquel on nous interdit de croire.
Bravo. Comment on dit bravo? Bravo. Bravo. Comment on dit à tantôt? Bientôt. Bientôt. Remets-lui mon chaton. Tu fais quoi là? L'avion. Waouh, tu refais encore? Ça croque? Mmh. Est-ce que c'est bon? Mmh. C'est quoi? La fraise. Oui? C'est quoi la fraise? C'est une? La chambre. Est-ce que tu aimes? Oui. Qui c'est qui l'a faite? Nanor. Nanor, avec qui? Maman. Mmh. Elle te plaît cette glace? Oui. Les... Alors aujourd'hui, toi, notre doux rayon de soleil, du haut de tes 10 printemps, nous te souhaitons le plus joyeux de tous les anniversaires. Et surtout, continue de briller, illumine notre monde, illumine le monde, parce qu'après tout, Eleanor, elle est en or. J'ai préparé chacun de leurs gâteaux d'anniversaire, à tous, depuis toujours. Un fait assez peu courant ici, mais telle une tradition que je tiens de ma maman et de ma grand-mère. On est loin de la grande pâtisserie et gâteaux surprenants, mais ce petit détail insignifiant est très cher à leurs yeux, autant qu'aux miens. De papy et mamie. Merci beaucoup papy et mamie. C'est un casse-tête de chauve à cheval. Mais il est trop bien. C'est trop bien. Attends, elle profite, elle est vraiment contente. Elle profite, c'est pas comme quand on est petit et qu'on ouvre, Limite on regarde même pas ce qu'il y a dedans. Ouais. C'est de la part de Granny. Merci Granny. Non mais c'est parce qu'il fait une blague, c'est ça. Alors, Célestine, 4 et mette son enquête. Oh, merci beaucoup. Alors, ça y est, maintenant tu vas arrêter de te freiner de lire parce que après tu dis que t'en as plus donc. Oh, merci beaucoup, papa et maman. Je sais pas si ça va être content. Alors? Un cadre. Merci. C'est
quoi? C'est des petits autocollants. Ouais, et de très jolis, vraiment des beaux autocollants. Oh, merci. Bonne taille. Merci beaucoup. Merci papa, merci maman. De rien, mon amour. La tarte. Oh, merci beaucoup. C'est de votre part. C'est de notre part. C'est un autre jeu, j'ai hâte de voir lequel. Lui, je sais que tu vas y aller. Merci. Ça me fait plaisir, bonne fête par exemple. C'est incroyable, je t'ai connu, t'étais un bébé. Merci. Oui, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, je suis sûre que tu vas aimer. En plus, j'ai déjà fait deux fois l'autre. Eh oui. C'est fait papa et maman. Oui. Merci beaucoup, papa et maman. De rien, mon trésor. Tu vas l'ouvrir. Oh. Non, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Oui, c'est vrai, c'est le meilleur cadeau de tous. Oh. Ça t'a fait plaisir ton anniversaire? Oui. Oui, elle était trop belle. C'est une pinata Pikachu. Bien que le chemin de leur enfance et de leur adolescence soit encore long, Eleanor est cette future adulte de demain. Et quand nous prenons le temps de regarder le monde à travers son regard, sa passion et sa gratitude, je me dis que malgré les embûches, malgré les reproches quant à notre manière de l'élever, de l'accompagner, eh bien, nous ne nous sommes peut-être finalement pas complètement trompés. Et tout ce que nous voyons quand nous la regardons, c'est de la fierté, une immense fierté et beaucoup de gratitude. Ce qu'il y a de merveilleux avec les aînés, c'est qu'ils ouvrent le chemin. Ils découvrent la vie sur ce monde, alors que nous, nous découvrons la vie de parents. Tout est nouveau pour tout le monde. Et puis, les suivants arrivent, et on découvre combien, même si on est déjà passé par là, le fait de les voir s'émerveiller en découvrant tout ce qui se trouve autour d'eux est une sensation encore nouvelle et magnifique. Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! J'ai hâte de rencontrer ce quatrième petit cœur qui nous rejoindra très prochainement lui aussi. Chacun, à leur manière, ils nous ont fait grandir, mûrir, nous remettre en question et sans cesse nous améliorer pour devenir une meilleure version de nous-mêmes encore et encore. Qu'est-ce qui le passionnera? Quelle beauté de ce monde ce petit garçon nous fera-t-il découvrir? En attendant de le savoir, nous avons encore quelques semaines devant nous pour imaginer, pour nous préparer, pour nous projeter dans cette nouvelle vie à 6. Pour lui trouver un prénom aussi d'ailleurs, son prénom. Et pour ça, nous allons sûrement avoir besoin de vous. Mon bougainvillier, toutes mes belles fleurs. Bah ouais, mais là il part dans tous les sens, donc j'essaie de lui faire prendre une position un peu plus sympa. Peut-être lui faire aller sur tout le grillage, je sais pas. Tu sais ce qui part dans tous les sens aussi? C'est quoi? Moi? Nos idées de prénoms. Ah, oui. J'étais justement en train de dire qu'on allait avoir besoin des compagnons. Ah oui. Pour quelques suggestions. Oui. T'as 3 minutes pour qu'on aille leur expliquer ce qu'on a en tête. Peut-être me mettre un... T-shirt. Un t-shirt. Allez. Bon, nous voilà revenus à la terriblement difficile tâche. Ah, pour les garçons, ça a toujours été compliqué, hein, nous. Ouais, ouais, et puis on n'a eu qu'une seule fille, donc on ne peut pas dire qu'on se soit simplifié la tâche. Non. Autant on a toujours su pour les filles ce que ce serait. Je pense qu'on a une liste de prénoms pour filles, pas juste une liste d'ailleurs, on est assez certain des prénoms qu'on voudrait pour une petite fille, si ça avait été une petite fille, mais bon, c'est un petit gars, encore une fois. Et on est clairement à court d'idées. Il nous reste encore, encore plusieurs semaines, donc on a encore un peu le temps de voir où est-ce qu'on va. On a quelques idées en tête, on a 2 prénoms qui nous plaisent, mais... Ouais, on n'est pas arrêté complètement dessus. On n'est pas arrêté. Et qui dit pas arrêté, dit il doit encore chercher. Donc... Si vous avez des idées. Si vous avez des idées, parce qu'on ne va pas se mentir,
Louison, l'idée nous est venue suite à, je crois, la vidéo qu'on avait faite comme ça, où vous soumettiez toutes vos propositions. Donc, allez-y, lâchez-vous. Lâchez-vous, sachant que c'est un petit garçon, qu'on souhaite un prénom qui aille bien avec l'ensemble des autres prénoms, donc Eleanor, Timothy et Louison. Qui idéalement, ça doit passer en espagnol, ça doit passer en anglais, forcément en français. Alors, voilà. Il y a un petit détail. On s'est rendu compte, des années après avoir appelé Louison Louison, que nos trois enfants avaient des prénoms en 7 lettres. Ouais, et moi, du coup, je suis pas arrêtée non plus, mais c'est sûr que si on arrivait à avoir un prénom qui nous plaisait vraiment en 7 lettres, ça serait super chouette. Eleanor, il tient beaucoup. Oh ouais, mais Eleanor, Eleanor, elle choisira quand elle sera maman. Hein. Oui, mais bon, je pense que c'est quand même aussi important. Oui, disons oui, que si bon. On en a un qui nous plaît vraiment, si y en a un qui plaît, qui est en 7 lettres. Mais bon, s'il y en a un autre qui nous plaît plus, c'est que c'est 6 ou 8 ou 4. Ouais. Alors après, le fait que ça aille en anglais, maintenant, on va dire qu'on s'en fiche un peu plus. Hein. Avant, on était plus là-dessus, mais maintenant, non. Ouais, surtout espagnol que ça passe. Plutôt genre Audrey en espagnol, ils savent pas dire. Non. Donc voilà, il faut. Et puis c'est vrai qu'on aime bien les prénoms un peu originaux et en même temps très classiques. Des prénoms qui sont plutôt longs au final. On se rend compte que c'est tous des prénoms longs, c'est pas des prénoms courts. Non, mais si ça tombe, ça pourrait être bien un court. Ouais, mais je sais pas. Dites ce qui vous passe par la tête et on verra. Et en tout cas, voilà, sachez que ça, c'est plus ou moins le genre de caractéristiques qu'on recherche pour le prénom de ce petit cœur. On espère se décider bientôt parce que je trouve que quand on a le prénom, c'est plus facile. Pour beaucoup de choses, c'est bête, hein, mais je trouve dans la projection, dans le fait de lui parler, moi, j'aime qu'on puisse avoir le prénom des enfants tôt et on n'est pas doué. T'as pas toujours ce que t'aimes, hein, ce que tu veux dans non, la vie. Mais c'est sûr que ça aurait été chouette de pouvoir avoir le prénom plutôt, je trouve, pour la projection. Et aussi parce que comme on va dire que tous les cinq, on espérait plus une petite fille si on avait dû choisir. Bon, on est très content que ça soit un garçon. Évidemment. Mais je veux dire, pour la projection et le fait de l'intégrer déjà parmi nous, c'est plus facile de pouvoir l'appeler par son prénom. Et pour l'instant, on n'y arrive pas. Eleanor utilise des prénoms qui font partie de notre sélection finale pour l'instant. Mais c'est d'ailleurs très drôle de l'entendre les prononcer. Ça me plaît beaucoup, Louison aussi. Mais voilà, pour l'instant, on n'est pas encore totalement arrêté. Donc, avec un peu de chance, vos suggestions pourront nous aider. Ça serait vraiment très, très chouette en tout cas. Voilà. Voilà. Mais sur ce, c'est déjà la fin de la vidéo. Donc, on vous retrouve dans les commentaires. Je vous remercie sincèrement pour toutes les suggestions que vous pourrez nous apporter. Et puis, on prendra bien évidemment le temps de les lire. Ça fait longtemps qu'on ne l'a plus dit, mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour aider l'algorithme YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faut vous abonner. Hein. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Et nous, ça nous aide beaucoup. Et donc, ça fait plaisir. Voilà. Voilà. Bon, on vous embrasse très très fort. On vous retrouve dans les commentaires. Et on vous retrouve aussi dimanche prochain. Ciao, ciao. You and I till the end.